la team. Vous connaissez CeltiCash? C'est la nouvelle offre Mobile Money du marché. Grâce à son application MyCeltiCash, je peux ouvrir mon compte toute seule. Et vous, vous pouvez faire comme moi. Quel qu'en soit votre réseau, CeltiCash, c'est cash! Bienvenue chez vous. Celtis, le premier opérateur global du Bénin, vous offre « Dis-moi qui est la plus belle », saison 6. Suivez « Dis-moi qui est la plus belle » avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des Belles pour la finale depuis 5 saisons. Hertz, transporteur officiel des Belles de la saison 6, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. La maison est belle. On espère bien que ça soit là. Oui. Pour que tout le monde te fixe. Voilà, bienvenue. C'est avant tout une émission que j'affectionne beaucoup. Je suis actrice comédienne depuis 8 ans maintenant. Je suis une ancienne athlète burkinabé de natation, mais reconvertie aujourd'hui en tant que maître nageuse. Les dégâts que font certains produits éclaircissants ne sont pas très criards, mais sont très 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 néfastes en fait pour les femmes. Je vous rassure que sur cette saison, il n'y aura pas de défi de ma part, donc respirez, ça relaxe. Le coach, le seul et l'unique, qui va vous accompagner sur la saison aussi, le coach Randolph. Le coach. À part Madame Valérie, il y aura la magnifique Madame Ceci. Tu n'as pas besoin d'artifice. Je kiffe sa tête, sa coupe, le teint, une simplicité, mais elle respire la vie, la santé, et je voudrais qu'elle aille jusqu'au bout. Merci. Je vais le garder pour moi. Désolée les filles. Et moi, je vais devoir vous dire au revoir aujourd'hui, et nous nous reverrons à la finale, pour couronner la plus belle. Bonjour, je suis Merveille Naniula, chaperonne des Belles de la saison 6. Pour avoir déjà joué ce rôle l'année dernière, je sais que ce n'est pas de tout repos. Mais comme vous avez pu le constater la semaine dernière, ces filles sont de véritables amours. Et j'ai pris beaucoup, alors vraiment beaucoup de plaisir à les accompagner. À leur arrivée dans la villa, une des toutes premières préoccupations des Belles, c'était de savoir comment faire pour garder le contact avec ses fans sans pour autant perturber sa vie privée. La réponse n'a pas tardé à venir. Le Père Noël cette année s'appelle Celtis, le premier opérateur global du Bénin qui offre à toutes les candidates une carte SIM et des services avant-gardistes, leur permettant d'appeler, de chatter sur les réseaux sociaux, de naviguer sur Internet et de faire des transferts d'argent à des tarifs absolument imbattables. Bonjour mesdames. Bonjour. Oui, soyez les bienvenus. Merci. À l'agence Celtis, les belles dames. Merci. Vous êtes toutes belles, hein? Merci. Celtis vous accueille déjà avec un cadeau. Celtis vous offre la SIM. Super. Pour vous permettre de vous connecter, de rester 100% béné. Chacun avec sa signe. Eh oui. Chacun avec sa signe. Bien sûr. Ok.
Consommons local. Je vais installer deux pour les formalités d'enrayissement. Donc les autres vont patienter là. Ok. Merci à vous. Et une fois encore, bienvenue à vous. Merci. Oui. Avec l'accord des Belles, je vous communique aujourd'hui en exclusivité les tout nouveaux numéros Celtis sur lesquels vous pouvez désormais les joindre par appel ou sur les réseaux sociaux. Elles se feront un plaisir d'échanger avec vous pour peu que vous soyez courtois, respectueux de leur vie privée et de leurs choix. Bien entendu, les Belles se réservent le droit de ne pas répondre à une sollicitation ou de bloquer un numéro de téléphone qu'elles auront jugé inconvenant. Alors, à très bientôt! De tradition sur « Dis-moi qui est la plus belle ». Le baptême de feu des candidates, c'est cette année encore la redoutable et tant redoutée épreuve beauté au naturel. Pour cette épreuve, il est demandé à chaque candidate de défiler devant les juges, au naturel, sans aucun artifice, sans maquillage, sans mèche, sans faux ongles, sans fossiles. On a parlé français, on a parlé un peu d'anglais, on parle binafon, on a même essayé un peu de mourir. Yo, quiero nosotros hablar en español. Pour les aider à se présenter, malgré ces restrictions, sous leur meilleur jour, nos 12 finalistes bénéficieront d'un sacré coup de main, celui de 24 carats, un des meilleurs salons d'esthétique de Cotonou. Je m'appelle Aurèle Dessau, je suis esthéticienne depuis plus de 8 ans. Je suis la responsable de l'Institut de beauté 24 carats. 24 carats spa est spécialisé dans les soins corporels, bien-être et spa. Nous avons plusieurs prestations telles que des soins de visage, différents soins de visage, des gommages corporels, éclaircissants, éclatants, des épilations à la cire, à la scie chaude, à la bande, à la scie tiède, des soins prénatales, des soins postnatales, tout ce que vous voulez comme bien-être, vous l'aurez à 24 carats. J'ai accompagné QLPB à travers mes prestations, des soins de visage aux filles, des gommages corporels aux filles, des massages aux pieds chaudes pour les filles, pour les relâcher. Et puis, nous avons fait les pédicules, manicules, le nécessaire pour les rendre belles. J'encourage vraiment l'équipe QLPB déjà à continuer à promouvoir la valeur africaine, à continuer sur cette lancée et que Dieu les assiste. Remise à neuf, nettoyer, poncer, requinquer, les 12 vont finir de se préparer pour leur épreuve du jour en puisant dans la caverne d'Ali Baba une valise d'accessoires mise à leur disposition par les deux accessoiristes partenaire de la saison. Je suis Harmonia Sagbo, promotrice de Chicrea. Chicrea, c'est une marque d'accessoires de mode en perles. On fait tout ce qui est accessoires de mode à base de perles. Des sacs, des bracelets, des montres, des ensembles de bijoux hommes et dames. Tout ce qui est accessoires de mode, mais fait uniquement en perles. Sur la saison 6 de Dis-moi qui est la plus belle, nous avons accessoirisé les filles sur l'épreuve beauté au naturel. Nous sommes plus partis sur des perles pour la taille, nous sommes partis aussi sur des perles pour le cou, des chevillères et quelques bracelets en pierre naturelle aussi. Au-delà du fait d'aimer l'initiative, faut dire que l'équipe de QLPB accompagne réellement ses partenaires. Du coup, c'est tout bénéfique pour nous. On me nomme Delphine Zanou, épouse Torplor, créatrice de Ségandé Fashion, où nous sommes spécialisés dans les accessoires de mode en pelle comme en paille. Nous faisons aussi le make-up et l'attaché de foulard, ainsi que la coiffure. Nous avons accompagné la saison 6 de QLPB en fournissant les accessoires de mode en pelle et en offrant un cadeau à la plus belle. C'est ici, dans une cour commune de Porto Novo, que se passera la première rencontre des belles
avec 3 des 4 juges de la saison, Smine, Valérie et Malik. Mais alors que la production attendait un défilé classique, les 12 Amazones ont décidé de surprendre tout le monde en faisant une entrée fracassante, totalement inédite, dont elles ont soigneusement gardé le secret pendant les préparatifs de l'épreuve. Rafraîchissant qui donne le ton de la saison 6. Pour la première fois sur QLPB, les candidates mènent la danse, anticipent et surprennent la production et les juges avec des slogans et des scénarios créés par elles-mêmes. Ceci attendrira-t-il nos 3 juges? Nous le saurons dans quelques minutes. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludvine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. C'est que celle qui se lève pour partir en compétition, les autres parfois vous faites comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Ça, c'est pas naturel. Le seul moment que j'ai adoré, j'ai tenu à le préciser en même temps, c'est quand elle a dit « Ah, toi, tu pars déjà. » C'est bien. Mais c'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'une personne se lève, « Tu pars aussi. Tu pars aussi. » Vous comprenez? N'hésitez pas à apporter ces genres d'interjections qui montrent que, bien que vous soyez en train de vous amuser, vous voyez ce qui se passe autour de vous. On se comprend? Oui. Très important. Aussi surprenante qu'inattendue, l'entrée en matière des belles sur l'épreuve beauté au naturel a complètement bouleversé le scénario prévu par le coach général. Le temps pour ce dernier de reprendre la main, les juges sont prêts à apprécier nos 12 finalistes sur leur passage individuel. Belle, 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 tu brilles comme le soleil.
toucher, ne montre pas ton identité. Pourquoi tu te caches derrière ces artifices? Faut arrêter les make-up et les maquillages, trop abusé. Ne montre pas comment tu es jolie en réalité. Et même les mèches brésiliennes. Je me dis que les juges vont m'apprécier parce que je suis naturelle, je n'ai pas de rajout. J'ai une beauté naturelle en fait, tout sur moi est naturel, rien n'est artificiel. Donc je pense que ça peut se faire. Je n'ai pas peur du côté naturel que je suis. On va cuire ici, ben de taille là. Show pour les filles. Show pour les belles. Avant de commencer, j'aimerais quand même notifier que toutes les candidates sont belles, les unes que les autres. Néanmoins, c'est un concours, il faut qu'il y ait des gagnantes et des perdantes. Sans plus tarder, je vais donner la non, note. Non, mais attends, avant de passer, c'est que j'ai trouvé que c'est une cuvée spéciale. Que des animatrices. Franchement, s'il y a quelque chose de nouveau depuis la saison 1, je crois que là, c'est une bonne remarque à faire. Effectivement, hein? Elles de sont toutes de bonnes comédiennes et de bonnes animatrices. Mon Dieu, je m'imagine pendant la période d'incubation, tout le feu qu'elles vont mettre dans la villa. Et moi, je propose d'ailleurs que la production les produise. J'ai vu une rappeuse parmi elles et franchement, j'ai la même impression que vous. Ah ouais. De très bonnes animatrices et ah ouais. Toutes belles les unes que toutes les autres. Toutes belles, oui. Mais néanmoins, on donnera les notes. OK. Candidate numéro 1, Ludivine, j'ai donné la note de 15. Ludivine, j'aime bien son sourire. J'aime bien son courage, surtout pour être passé sur cette émission. Et donc, moi, j'ai eu un petit souci avec la forme, ce qui fait que je lui donne la note de 13. Candidat numéro 1, Ludivine, je donne la note de 16. J'ai vraiment aimé ses cheveux, j'ai aimé ses ongles, son sourire aussi, surtout. Je donne 16. Stressée, je me suis dit est-ce que j'ai donné mon tout, est-ce que j'ai vraiment convaincu les jurys, mais je pense qu'avec ma beauté, je suis très belle, je suis confiante et j'ai confiance en moi-même. Donc je me suis dit que j'ai mis le paquet. En tout cas, c'est fort animé, hein.
On sent que c'est des ambianceuses. Oui. Non, mais attendez, la parole est à la fille. Candidate numéro 2, Christelle, j'ai donné la note de 20. J'ai vraiment tout aimé chez elle. De la chevelure jusqu'aux pieds. Le teint, il est parfait. La morphologie, le sourire, la démarche, la prestance. Vraiment, j'ai tout apprécié chez la candidate numéro 2. Donc, raison pour laquelle j'ai donné la note de 20. Candidate numéro 2, Christelle. Moi, j'ai donné la note de 18. Elle a une belle forme, ça se voit, un beau sourire et surtout la brèche qu'elle a au niveau des dents. J'aime ça, moi. Et ce qui a fait que je lui ai donné la note de 18, c'est que pour moi, elle n'a pas, la beauté passe par le soin et l'entretien. Je l'ai trouvé un peu trop négligé au niveau des cheveux. Et c'est pour cela que je lui ai donné 18. Alors, candidat numéro 2, Christelle, je lui donne la note de 19. J'ai tout apprécié chez elle, comme l'a dit ma consoeur. Son sourire, la brèche entre les dents, magnifique. Sa posture, sa démarche, j'ai tout aimé. 19. Je suis prédisposée à aller m'amuser, c'est ça que j'ai dans la tête, donc c'est ce que je vais faire. Je suis pas du tout stressée. Tu n'as pas besoin d'artifice, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi, t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Moi-même, ce que je suis venue faire, je l'ai fait. Je me suis amusée, c'est l'essentiel. Pour moi, 20 sur 20. Eh oui, on va le faire. Mais c'est normal. Ah, les filles. Je me suis rappelée de... Dis-moi. La fille du quartier, là. Laquelle, dans le quartier. Avec un grand bizarre. Tu es jalouse. Tu es jalouse. C'est bizarre, ta son. Candidate numéro 3, Zita, j'ai donné la note de 17.
Zita, 18. Cheveux entretenus, belle peau et surtout de beaux yeux. Numéro 3, Zita, 15. Tu n'as pas besoin d'artifice, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Stressée, du coup, je me dis peu importe, cher, et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. On verra la suite. Candidate numéro 4, Jessica, j'ai donné la note de 15. Candidate numéro 4, Jessica, elle a de beaux yeux, ses cheveux bien entretenus, mais j'ai eu quelques soucis avec la peau et les autres critères de notation. Ce qui fait que je lui ai donné la note de 16. Candidat numéro 4, Jessica, j'ai donné la note de 14. La beauté au naturel, c'est ce que la nature nous apporte à l'opposé de la beauté artificielle. Je suis naturelle, je crois en moi et ma dernière pensée en ce moment, c'est de gagner. Pourquoi tu te caches derrière ces artifices? Faut arrêter les make-up et les maquillages, trop abusés.
Ne montre pas comment tu es jolie en réalité. Et même les mèches brésiliennes, et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Et même les mèches brésiliennes, et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'artifice. J'adore ton naturel, réel, 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 réel. Tes coupes te rendent plus belle, 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 belle. Tu brilles comme le soleil, hey, 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 hey. Une chanson avant que tu t'endormes. Faudrait pas que quelqu'un vienne te faire croire que tu n'as pas toujours des roses si belles. J'aime beaucoup ta forme de ronde. J'ai donné le meilleur de moi. Et puis voilà. La note que je mérite, c'est 17. Candidate numéro 5, Jivik, j'ai donné la note de 15. Jivik, j'ai donné la note de 18. Candidate numéro 5, Jivik, c'est mon second coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'uniformité de la peau, de la tête aux pieds. Elle est uniforme, un teint lumineux. Franchement, j'ai aimé son sourire. 19. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à notre Père qui est dans les cieux! Alléluia! 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 Tu n'as pas besoin d'artifice. Je vais tout casser parce que je sais que je suis belle naturellement parce que oui là je suis belle. Je suis la seule à 7 secondes précises. Je suis là, je fais mon show, je me montre comment je suis et voilà. Les mèches brésiliennes et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Et même les mèches brésiliennes et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi, t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Avant que tu...
que quelqu'un vienne te faire croire que tu n'as pas toujours des roses si belles. J'aime beaucoup ta forme, tes rondes, ta peau noire, ça fait bien naturel. Laisse-moi tout apprécier, la beauté que Dieu t'a donnée. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Amen. Il faut remercier le Seigneur en toutes choses, la fille. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé, raconte. On est là, par la grâce de Dieu, ma soeur. Amen. Tu vas voir là, elle a vécu un long gourmet. J'ai une chanson très spéciale. Ok. J'ai la chanson d'une... Candidate numéro 6, Gloria, j'ai donné la note de 15. Candidate numéro 6, Gloria, j'ai eu un petit souci dans l'ensemble et surtout au niveau de la peau. Moi, je suis esthéticien et je suis contre la dépigmentation. Je trouve qu'elle utilise, elle a utilisé des produits éclaircissants et ses veines étaient apparentes. Et pour cela, je la pénalise. Et donc, pour moi, Gloria, c'est 16. Gloria, candidat numéro 6, 15. Mes nails se font voir comme ça. Il y a des gens qui me disent que je me dépigmente, mais non, même, c'est, ça a été toujours comme ça, en fait. Mes nails sont faciles à voir, en fait. Je sais pas, peut-être parce que j'ai pas assez de peau sur les nerfs, je suis pas assez gros, je sais pas trop, mais c'est comme ça. Alors dans ma tête, je me dis qu'il faut que je donne le meilleur de moi-même. Si je suis venue, c'est bien pour une raison, pour gagner. Alors, je me suis levée avec confiance pour plaire au jury et pour plaire au public. Tu n'as pas besoin d'artifice pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi, t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. De mon mieux. Voilà, et je pense avoir réussi. Et à mon avis, je pense que les juges vont me donner un 14 ou un 15. Voilà, je pense. Ouais. C'est bon, c'est bon, j'arrive. Voilà, l'hiver,
Candidate numéro 7, Georgia, 16. Candidate numéro 7, Georgia, c'est 18. Belle peau, beaux yeux, belle posture. Et puis, tout le reste, c'était pas mauvais non plus. Et cela lui vaut cette note-là. Candidate numéro 7, Georgia, 15. C'est pas rien à la place. Est-ce que c'est propre? Rival pense que je l'ai passé. Rival pense que j'ai passé son mari. Elle ne sait pas comment je ne connais pas. Mon papa dit là, c'est mon pochon. Mon papa dit là, c'est mon lolo. Mon papa dit là, ce sont mes régales. Elle s'en passe. Je pense que c'est l'une des épreuves sur lesquelles je mise. Parce que je suis naturelle, j'ai des cheveux naturels, mon teint est authentique en fait. Donc je mise aussi sur ça. Très loin, juste peut-être troisième position, deuxième position. Non, c'est jamais. Parce que ça fait comme toi, tes hommes. C'est ça, ça me beaucoup. Candidate numéro 8, Rachel, 18. Alors Rachel, c'est mon second coup de cœur. J'ai bien aimé son allure, j'ai aimé sa prestance, j'ai aimé la manière dont elle posait, le teint. Ce qui a fait que je ne lui ai pas donné 20, c'était au niveau de la chevelure. J'ai trouvé qu'elle n'a pas une chevelure vraiment bien traitée. Sinon, je lui aurais donné un 20. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'elle a un sourire. Elle a un sourire pas forcé. Je parle de Rachel, bien sûr. Candidate numéro 8, elle a un sourire pas forcé, elle a un beau teint, une belle peau foncée. Ça, c'était très bien. Et donc, Rachel, 18. Je partage complètement ses avis. Rachel numéro 8, 16.
tomber avant la honte. Ne venez pas nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Ça me réjouit parce que moi j'aime chanter, j'aime m'amuser. Donc ça peut passer. Tu n'as pas besoin d'artifice, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Donc, je sais que c'est Gaëlle d'office et Madame Valérie. Je pense que bon, elle aime bien mon teint, mes cheveux, ma manière de tourner, de sourire surtout. Je l'ai gagné, je pense bien. Je croise les doigts. Majo Mona Lisa, Majo Mona Lisa, Majo Mona Lisa, Majo Mona Lisa. Vous comprenez ce que vous chantez là? Mais on chante pas. En tout cas, il y a Mona Lisa. Il y a Mona Lisa. Pourquoi les gens qui sont allés pour te donner? Jonathan, Maëlo, Maëlo, Maëlo. Candidate numéro 9, Bérénica, j'ai donné la note de 16. Candidate numéro 9, Bérénica, j'ai donné également la note de 16. Je la trouvais un peu trop stressée. Et le teint n'est pas si uniforme que ça. Elle marche bien, mais elle n'avait pas une très belle posture pour moi. Donc, ça l'a pénalisée un peu. Candidate Bérénica, beau regard, beau sourire, j'ai donné 17. Je suis toujours stressée comme d'habitude. C'est vrai que je participe à beaucoup de compétitions, mais moi, dès que je participe à quelque chose de nouveau, je stresse à bloc. Mais je pense que ça va aller quand même. En vrai, je l'aime. Je ne comprends pas ce que ça veut dire la chanson. Mais j'aime bien le rythme et j'aime bien comment elle danse. Donc, je me suis dit, mais attends, je vais danser sur ça. Parce que moi, j'aime bien danser. J'aime quand ça bouge bien. Donc, voilà. C'était Togolo. C'est une chanson togolaise. Togolo, je sais qu'on danse comme ça. Tout ce que je sais. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi, t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel.
tu es jolie en réalité. Et même les mèches brésiliennes, et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Et même les mèches brésiliennes, et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'artifice, je me disais, avant d'arriver, je me disais que j'allais gérer le stress, ça allait quand même aller. Mais quand je suis venue, ah, j'ai pas géré. J'ai trouvé que j'ai pas géré parce qu'ils font stresser les jeunes, en vrai. Donc voilà, je me demandais, je me suis jugée moi-même d'abord. Je me suis dit, mais ils vont me juger comme ça, ils vont pas bien me juger. Je me suis tout imaginée, c'était pas facile. Candidate numéro 10, Ingrid, j'ai donné la note de 17. Ingrid, pour moi, c'est 16. Bah, pour une fois, Ingrid, 16. Je suis extrêmement fière parce que c'est la première fois que le département du Koufou est représenté. Du coup, j'ai voulu mettre ma joie à travers la danse de chez nous, le go-go. Donc, c'est pour cela que j'ai dansé. Ça devient chaud, donc j'ai voulu me concentrer un peu et puis je me dis non. Là maintenant on est un peu dans la rigolade, il faut maintenant qu'on se prenne notre sérieux. Du coup, je me suis avancée comme ça et puis tout est allé naturellement. Je remercie le Seigneur. J'avoue que nous sommes toutes belles. Nous sommes de 12 valeureuses candidates. Et franchement, je ne sais pas, je ne pourrais pas du tout me prononcer. Mais je crois avoir donné le meilleur de moi, j'en suis fière. Candidate numéro 11, Esmeralda, j'ai donné la note de 17. 17 parce que j'ai eu un petit souci au niveau du teint.
et également au niveau des cheveux. Sinon, j'aurais aimé donner plus parce que j'ai aimé, elle a une belle taille, elle marche bien, elle a une belle allure. Comme je l'ai dit, c'est au niveau du teint et des cheveux que j'ai un peu buggé. Voilà. Esmeralda, je suis d'accord avec ce que tes remarques. Moi, je lui ai mis 16. Décidément. Hein? Candidat numéro 11, 16. En tout cas, le but, bien sûr, c'est un peu de se démarquer, de s'amuser et juste de se sentir belle et bien dans notre peau. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi, t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. J'étais pas stressée, je me dis bon, ça va, je vais gérer, mais au moment, genre, j'ai pas compris, même mes joues tremblaient, j'ai pas... Mais franchement, c'était super, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Y'a pas comme toi, comme au rossignol au lever du jour, chanterai pour toi. Et les photos trop retouchées ne montrent pas ton identité. Pourquoi tu te caches derrière ces artifices, faut arrêter. Les make-up et les maquillages, trop abusés. Ne montre pas comment tu es jolie en réalité. Et même les mèches brésiliennes et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Et même les mèches brésiliennes et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Quoi que tu n'as pas toujours des roues si belles. J'aime beaucoup ta forme, tes rondes, ta peau noire, ça fait bien naturel. Laisse-moi tout apprécier la beauté que Dieu t'a donnée. Même pour tout l'or du monde, ne sois pas prête à la changer. Et même les mèches brésiliennes et même péruviennes, faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. Et même les mèches brésiliennes. Candidate numéro 12, Zaviera, j'ai donné la note de 17. 17 parce que j'ai eu un souci aussi au niveau du teint. Elle a une belle taille, elle a belle allure, mais il me manquait quelque chose. Donc voilà, 17. Zaviera, pour moi, c'est 16. Ben, décidément, hein, on se rejoint encore. Je lui avais donné 15, ce qui a fait que j'ai rajouté 1 et ma note finale fait 16. C'est qu'elle, c'est vrai que ce n'était pas parmi les critères, mais à la fin de son show, elle a fait le petit geste comme ça que j'ai aimé. Elle est la seule candidate à avoir salué. Moi, je rajoute 1, donc on se rejoint. Et la production peut regarder, hein, on s'est pas concerté pour les notes. J'ai donné 16 depuis son défilé. Oui. Moi, au niveau de la posture, c'était 2. Mais en partant, quand elle a fait le salut, moi, je mets ça dans la posture. C'était
3/3. Super. Ce qui a fait qu'elle a eu la note de 16. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon son et d'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. J'ai élevé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, ah. Au rythme d'une séance de lessive en cour commune, les 12 finalistes de la saison 6 ont chacune à son tour montré au juge leurs atouts de beauté les plus naturels, exposant leur silhouette, leur peau, leurs cheveux et leur fanère à l'appréciation attentive de Malik, Valérie et Smine. Dans quelques instants, le récapitulatif des notes données par les juges sur cette première épreuve. Chaud, 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 chaud,
Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Xaviera. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.